Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais un tutoriel Lightroom dans lequel je vous montre comment j'ai traité un portrait que j'ai fait avec Gabriel lors du shooting cosplay qu'on a fait ensemble. Vous avez sûrement vu mon petit vidéo sur Facebook où je présentais Gabriel et Gabriel vous expliquait c'était quoi le cosplay. Quand vous faites un shooting avec un modèle, c'est toujours important, au moment de la prise de vue, d'avoir une idée du rendu que vous voulez obtenir à la fin dans vos photos. Comme ça, ça va vous permettre d'abord, à la prise de vue, de régler les points techniques nécessaires pour obtenir ce rendu-là. Et après ça, lorsque vous allez arriver dans Lightroom, vous allez avoir une bonne idée du travail que vous avez à faire. Vous pouvez toujours vous amuser à explorer différentes possibilités dans Lightroom, mais là, ça devient un travail qui est un peu du tâtonnement et les résultats ne seront peut-être pas aussi bons qu'on souhaiterait. Donc, quand vous préparez un shooting avec un modèle, moi, c'est ce que je fais. Je commence toujours par déterminer à l'avance exactement le genre de photo que je veux faire, le traitement que je veux faire dans Lightroom, le type de prise de vue que je veux faire, le type de cadrage, etc. Donc, ouvrez votre ordinateur, ouvrez Lightroom, prenez un portrait que vous avez fait et suivez mes instructions et je vous montre comment j'ai traité mes photos de cosplay. Alors, voilà le portrait de Gabriel qui interprète le chat noir que je vais traiter aujourd'hui dans Lightroom. Alors, je me suis dit, elle interprète un personnage de bande dessinée. Donc, je vais traiter ma photo pour qu'elle ait le rendu des images de bande dessinée. Alors ça veut dire des couleurs saturées et une image très contrastée. Autre chose aussi que je veux faire, c'est que je veux m'assurer que dans la photo, son body soit complètement noir. Alors ça, c'est les deux consignes que je me donne pour commencer le traitement, pour faire mon traitement d'image. Un rendu de bande dessinée et un body qui est complètement noir. Alors la première étape, je vais dans mes réglages. Je suis dans le module développement, évidemment. Je vais dans les réglages et je prends la courbe des tonalités. Alors là, je vais avoir un body qui est complètement noir. Donc ça veut dire que je prends les basses, la partie gauche de la courbe qui correspond aux basses lumières et je la descends complètement en bas. Et en faisant ça, le body devient complètement noir. Maintenant, je veux avoir la peau qui est d'une luminosité normale. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la courbe des tonalités et je clique ici sur le petit bouton qu'il y a en haut à gauche. Je clique là-dessus et là, en plaçant le pointeur de ma souris sur le visage du modèle, vous pouvez voir dans la courbe des tonalités qu'un point apparaît à droite de la courbe et ce point-là correspond à la luminosité du visage. Et là, uniquement en jouant avec la roulette de la souris, j'augmente la luminosité de ce point-là. Vous voyez? Et là, j'ai une peau dont la luminosité est normale. Maintenant, je veux aussi que les tons moyens de la photo soient lumineux. Alors, je vais prendre la partie centrale de la courbe, à peu près ici, et je vais aussi en augmenter la luminosité, comme ça ici. Alors, juste en plaçant ma courbe correctement, j'ai une image très contrastée, comme dans les bandes dessinées, et le body du modèle qui est complètement noir. J'ai toujours dit que la courbe, c'est la première et principale étape d'un traitement d'une photo dans Lightroom. Une fois que la courbe est placée, environ 50% du travail est fait. Ensuite, je m'en vais dans les réglages de tonalité. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais assombrir les noirs parce que je veux que le body soit vraiment noir. Je vais augmenter un peu la luminosité des ombres. Parce que je ne veux pas que les ombres soient trop opaques non plus. Je vais diminuer la luminosité des hautes lumières pour éviter que le visage soit blanc comme du lait. Et je vais augmenter un peu la luminosité des blancs. Je vais augmenter aussi un peu le contraste, comme ça ici. Et finalement, je vais augmenter la clarté à plus 10. Et je vais augmenter légèrement la correction du voile. Je vais mettre la correction du voile à plus 5. Et là, j'ai
une image qui s'approche de plus en plus à une image de bande dessinée. Le reste du travail, c'est principalement de la retouche locale. Alors, la première chose que je constate, c'est que dans le visage, ici, le haut du visage, au niveau des yeux, c'est un peu sombre. Il y a une perte de détail parce que c'est un petit peu trop sombre. Et le visage ici est lui aussi un petit peu sombre, là. Alors ça, je vais corriger ça avec le pinceau. Et comme réglage pour mon pinceau, j'utilise les ombres, j'augmente la luminosité des ombres et je diminue un peu le contraste, comme ça ici. Et là, je vais passer le pinceau sur le haut du visage, comme ça ici, et la partie droite du visage qui est un peu ombragée. Alors, et je désactive l'affichage de l'incrustation. Comme ça ici. Et là, je peaufine mes réglages. Je diminue le contraste. Je vais augmenter un petit peu l'exposition. Voilà. Et là, je viens de récupérer les détails dans les ombres qui étaient du côté droit du visage et dans le masque. Je vais également passer ici. Vous voyez, sous le menton, là, c'est un petit peu ombragé. Alors, je vais passer ici. Et je vais passer également ici parce qu'il y a une plaque d'ombre un peu désagréable qui s'est formée. Voilà. Maintenant, je regarde à nouveau ma photo et je vois que sur le côté du visage ici, c'est très lumineux. Il y a comme une plaque de lumière sur la joue ici. Alors, je prends encore mon pinceau. Et là, j'utilise le réglage haute lumière et je diminue la luminosité des hautes lumières. Et là, je passe mon pinceau ici, là où les hautes lumières étaient un petit peu trop brillantes. Voilà. Là, j'ai peut-être mis mes hautes lumières un peu trop sombres. Alors, je reviens sur mon réglage et j'augmente la luminosité des hautes lumières comme ça ici. Et voilà. Là, mon visage est bien travaillé. Ensuite, autre chose que je remarque, dans les cheveux ici, il y a une plaque de lumière qui s'est formée. Vous voyez ici, là, il n'y a aucun détail dans les cheveux, c'est complètement blanc. Alors, je vais corriger ça. Encore une fois, je prends un pinceau. Je diminue la luminosité des hautes lumières. Je vais également diminuer l'exposition. Et là, je passe ici dans les cheveux. Juste pour dire que je suis capable d'avoir le détail à l'intérieur des cheveux. Et je vais également le faire un petit peu ici parce que les cheveux étaient un peu trop blancs ici aussi. Alors voilà. Le visage est réglé. Les cheveux sont bien travaillés. On voit du détail. Maintenant, quoi d'autre? J'avais dit que je voulais que le body soit complètement noir. Si on regarde attentivement le body, on s'aperçoit qu'il y a des reflets bleus dans le body. Et moi, je ne veux pas avoir ça. Alors, encore une fois, je prends un pinceau. J'utilise le réglage de saturation et je diminue la saturation des couleurs. J'ai mis ma saturation des couleurs à moins 69. Et là, je passe le pinceau partout où il y a des reflets bleus sur le body. Et vous voyez, en faisant ça, j'élimine les reflets de couleur et j'ai un body qui est complètement noir. Encore un petit peu ici. Je vais diminuer la saturation encore un peu. Et voilà, le body est devenu complètement noir. Maintenant, autre chose que j'observe ici, il y a des reflets sur le body qui font que le body n'est pas complètement noir, mais il est plutôt grisâtre. Vous voyez ici, là, c'est pas complètement noir. Moi, je veux que ça soit complètement noir. Alors, encore une fois, je prends un pinceau, j'utilise le réglage noir et je diminue la luminosité des noirs. Et je passe mon pinceau là où je trouve que le body était un peu trop clair. Comme ça ici. En fait, je vais diminuer encore plus la luminosité des noirs et je vais diminuer aussi l'exposition. Là, vous voyez, là, ça devient beaucoup plus noir. Il ne faut pas que ça devienne noir opaque parce qu'il y a quand même un reflet ici. Ce que j'ai fait, c'était de diminuer la luminosité du reflet. Mais il ne faut pas que j'enlève le reflet.
c'est supposé qu'il y ait un reflet ici. Et je vais aller ici et je vais également diminuer la luminosité du reflet. Et en bas, ici, diminuer la luminosité des reflets sur le body. Et voilà. Maintenant, dernière étape. On va gérer la saturation et la vibrance des couleurs. Dans une bande dessinée, les couleurs sont souvent très saturées. Alors, je ne toucherai pas la saturation. Seulement, je vais diminuer un peu la vibrance. Ça va rendre les couleurs un peu moins lumineuses. Et en faisant ça, je trouve que la peau a une tonalité qui est beaucoup plus agréable. Avant que je diminue la vibrance, la peau était un peu orangée. Mais là, en diminuant la vibrance, là, la peau a pris une tonalité qui est plus normale et plus agréable pour une peau. Maintenant, l'arrière-plan. Alors, il y avait une murale derrière nous. Et moi, je trouve que la murale est intéressante. Et je veux l'utiliser pour mettre en valeur le modèle. Alors, si je regarde mon modèle, les cheveux sont jaunes, la peau est dans une teinte rose-orangée. Donc, mon modèle, le visage, le torse de mon modèle sont dans des couleurs chaudes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais refroidir les couleurs de la murale à l'arrière. Donc, pour faire ça, je prends cette fois-ci le fil gradué. Et là, quand je place mon fil gradué, je commence toujours par prendre le paramètre exposition et je le mets complètement à gauche. Comme ça, là où je vais appliquer mon fil gradué, l'image va être sous-exposée. C'est juste un petit truc pour me permettre de visualiser où je place mon filtre. Je pourrais aussi activer l'affichage de l'incrustation et je verrai également où mon filtre est appliqué. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de le faire en diminuant l'exposition. Alors là, mon filtre gradué va affecter tout ce qui est en vert. Je veux pas que le filtre gradué affecte le visage. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais dans les réglages du filtre gradué et je clique sur pinceau. Alors, pinceau, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque le pinceau est activé, je peux appliquer avec un pinceau à d'autres endroits dans la photo les réglages du filtre gradué. Et je peux également, avec le pinceau, enlever les réglages du filtre gradué. Et là, c'est ça que je vais faire. Je veux enlever les réglages du filtre gradué qui vont être appliqués sur le visage. Alors, avec la fonction pinceau d'activer dans le filtre gradué, je m'en vais sur le visage et je maintiens la touche Alt enfoncée. Et là, au centre du cercle qui représente le pinceau, vous allez voir un moins apparaître. Ça veut dire que le pinceau va enlever l'effet du filtre gradué. Et là, je passe sur le visage de mon modèle pour enlever l'effet du filtre gradué. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'effet gradué va seulement affecter l'arrière-plan, comme vous voyez ici. Alors, je ramène l'exposition à la normale. Et là, je fais les réglages que je veux avoir. Donc, je veux que les couleurs de l'arrière-plan soient saturées, alors j'augmente la saturation. Et je veux que les couleurs soient froides, alors je diminue la température des couleurs. Là, vous voyez, les couleurs prennent des tons de bleu. Je vais également diminuer légèrement l'exposition à l'arrière. Je vais augmenter un peu le contraste, un peu de clarté. Comme ça, correction du voile. Voilà. Et là, j'ai un arrière-plan qui est dans des tons de bleu. Et ça découpe très bien le visage du modèle qui est dans des couleurs chaudes. Ensuite, je m'en vais dans le virage partiel. Là, je vais utiliser le virage partiel pour accentuer les couleurs chaudes des hautes lumières. Alors, dans Haute lumière, je clique sur la petite boîte de sélection de couleurs et avec la pipette, je choisis une teinte jaune-orangée. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la fonction virage partiel va ajouter une teinte
jaune-orangé dans les hautes lumières. Et je veux que mes basses lumières, les ombres, aient une teinte bleu-violet. Alors, je clique sur la boîte de sélection de couleurs à côté d'ombre, ici. Et là, avec la pipette, je choisis une teinte bleu-violet, comme ça ici. Et là, les hautes lumières ont une teinte bleu-violacée. Et là, je déplace la balance vers la droite de façon à donner priorité à la teinte jaune des hautes lumières. Et j'obtiens la photo qu'on voit ici. Si on regarde attentivement, on s'aperçoit que les hautes lumières ont pris une teinte jaunâtre, jaune-orangé, et les basses lumières une légère teinte bleu-violacée. Je diminue légèrement l'exposition de ma photo. Juste une petite affaire, comme ça ici. Okay, je trouvais que le visage était un petit peu trop exposé, alors j'ai légèrement diminué l'exposition. Ensuite, dernière étape, on va s'occuper du bruit qu'il y a dans la photo. Alors, je viens dans la section « Détails ». Je clique sur le point d'exclamation qu'il y a ici et automatiquement, Lightroom va zoomer la photo à une grandeur qui va me permettre de bien voir les détails dans la photo. Et là, pour évaluer la rendition du bruit, on regarde toujours dans une région qui est grisonnante. C'est plus difficile de voir le bruit dans les régions lumineuses et dans les régions très sombres. Mais dans les régions qui sont dans des tons de gris, c'est plus facile de voir le bruit. Alors là, si je regarde, il y a un léger bruit dans mon image. Alors, je prends les réglages réduction du bruit, je vais dans luminance et je tasse le curseur vers la droite légèrement. Là, vous voyez, le bruit s'est estompé. Je vais prendre le curseur détail et je vais l'envoyer aussi vers la droite pour récupérer un petit peu les détails qui se sont estompés en appliquant la réduction du bruit. Et je vais donner un petit peu de contraste. Question de rendre les détails un petit peu plus nets. Et finalement, la netteté, le réglage de netteté. Alors, pour ajuster correctement la netteté, je vais placer ma photo de façon à ce que le visage emplisse le centre de mon écran. Alors, la première étape, c'est que j'augmente la netteté, comme ça ici. J'augmente légèrement le rayon. J'augmente le niveau de détail de netteté. Et le secret, lorsqu'on ajuste la netteté, pour éviter qu'un effet de granulosité apparaisse dans la photo, le secret, c'est le réglage masquage. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on maintient la touche Alt enfoncée et on déplace le curseur masquage vers la droite. Et là, vous voyez que la photo ressemble à un dessin. Et plus on va tasser le curseur vers la droite, plus la photo va devenir noire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que partout où c'est noir, l'accentuation de netteté ne sera pas appliquée. Alors, on tasse le curseur masquage vers la droite jusqu'à temps qu'on voit en blanc uniquement les détails dont on veut que la netteté soit accentuée. Alors, vous voyez comme ça ici, encore un petit peu, voilà. Et là, dans ma photo, seulement le détail des lèvres, du masque, des yeux et des cheveux va être accentué, mais le détail dans la peau ne sera pas accentué. La peau du visage est complètement noire. Et ça va m'assurer que dans la peau du visage, on ne verra pas une granulosité causée par l'augmentation de netteté. Et voilà. Ensuite, je vais recadrer ma photo. Alors, je prends mon outil de recadrage. Étant donné que je diffuse beaucoup sur Instagram, je vais prendre le ratio 4 par 5. Le ratio 4 par 5, c'est le ratio des photos en format portrait sur Instagram. Et je vais cadrer ma photo uniquement pour garder le visage et le haut du corps du modèle. Voilà, comme ça ici. Ensuite, un petit artifice que j'aime bien utiliser. Je vais mettre un peu de vignettage autour de ma photo. Comme ça ici, voilà.
pas trop prononcée. Vous voyez, avec un peu de vignettage, le regard se dirige beaucoup plus vers le centre de la photo, là où on voit le visage du modèle. Ensuite, un petit détail qui m'avait échappé lorsque j'ai travaillé ma photo. Le modèle porte sur la tête des oreilles de chat. Et là, les oreilles de chat sont tellement noires qu'on les voit à peine. Alors, je vais corriger ça en prenant mon pinceau. Et là, je vais augmenter la luminosité des noirs, augmenter la luminosité des ombres, et je vais passer sur les oreilles. Oh non, là j'ai trop augmenté la luminosité des noirs. Voilà comme ça ici. Vous voyez, et là ça me permet de récupérer les oreilles de chat qu'elle a sur la tête, juste assez pour qu'on soit capable de les voir. Voilà. Et j'ai mon image finale. J'ai une image qui a un rendu de bande dessinée, c'est-à-dire l'image est très contrastée, des couleurs saturées, un peu comme on voit dans les bandes dessinées. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai traité certaines images du portfolio que j'ai fait avec Gabriel et son personnage du chat noir. Alors voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Maintenant, amusez-vous, mettez en pratique les méthodes de travail que je vous ai montrées dans le tutoriel, faites des essais avec des portraits. Il se peut qu'en suivant à la lettre les instructions que j'ai données dans le tutoriel, que vous n'obteniez pas exactement les mêmes résultats avec votre portrait. Il faut toujours se rappeler que les paramètres de traitement qu'on utilise dans Lightroom dépendent également de la photo à partir de laquelle on travaille. Donc, si en partant, vous avez une photo qui est très contrastée et que vous appliquez la courbe que j'ai proposée dans le tutoriel, il se peut que vous obteniez une photo qui est beaucoup trop contrastée. Alors, dans votre cas, vous allez devoir utiliser une courbe dont la forme en S est moins accentuée. Donc, explorez les méthodes de travail que je vous ai données. Faites des essais avec différents types de portraits. Faites des essais avec des portraits qui ont été faits avec une lumière contrastée. Des essais avec des portraits qui ont été faits avec une lumière diffuse. Et n'hésitez pas à essayer plein de choses dans Lightroom et amusez-vous avec la courbe. La courbe, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus important en photographie numérique. Comme je dis dans le tutoriel, quand la courbe est bien placée, environ la moitié du travail de post-production est fait. Alors, n'hésitez pas à donner des formes étranges à votre courbe. Explorez, vous allez voir qu'avec la courbe, on peut complètement métamorphoser une photo. Si vous voulez prendre des cours de photo avec moi, vous allez trouver toutes les informations sur mon site web. Vous pouvez me contacter via ma page Facebook également. Alors, à la prochaine et merci de suivre mon travail sur les réseaux sociaux et sur mon site web. Bye bye!